Véronique Gravel. Non, il n'est pas revenu. Non, jamais revenu. Et on ne sait pas où il est. Est-il pour l'éternité sous les rues de la cité? On ne peut pas l'oublier. Oh, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui est arrivée d'un voyage qui n'est pas terminé. Un dimanche qui faisait beau, monsieur Gondry a pris le métro et on ne l'a jamais retrouvé. Non, il n'est pas revenu, non, jamais revenu, et on ne sait pas. Sous les rues de la cité, on ne peut pas l'oublier. Tous les dimanches, après midi, depuis le jour qu'il est parti, sa femme l'appelle la compagnie. Et c'est toujours pour s'informer si tu voudrais rapporter. Sous les rues de la cité, on ne peut pas l'oublier. Non, il n'est pas revenu, non, jamais revenu, et on ne sait pas où il est. Et c'est pour l'éternité, sous les rues de la cité, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Merci Véronique pour cette belle version de cette chanson merveilleuse. Merci aussi d'être là avec nous. Un grand plaisir. Quelle influence a eu ta famille dans le volet musical de ta vie? La plus grosse influence qui fait que je suis là aujourd'hui, autant dans le domaine de la radio, de la musique, c'est le country, c'est toute ma vie depuis que je suis toute petite. Le country, c'est toute ta vie, mais je sais qu'il y a aussi deux hommes importants dans ta vie. D'abord, ton fils, évidemment. Absolument. Et il y a aussi ton père. Ton père qui a passé bien des années derrière un micro à la radio à faire la promotion de notre belle musique country. Qu'est-ce qui t'a décidé à suivre ses traces? Ah, tout simplement de voir la passion que lui avait, qui m'a transmis via la musique country. Depuis que je suis toute petite, on écoutait du Marcel Martel, du Paul Brunel, une discographie incroyable. Alors, je suis ses traces et j'en suis très, très fière. Ben, on est contente que tu nous parles à la radio et on est aussi très content que tu chantes pour nous ce soir. Reste avec nous. Tout de suite après la pause, on rencontre Lanny Richard et chante pour nous.